Donc, c'est le sixième webinaire qui est organisé par CNRS Formation Entreprise. Et nous avons choisi aujourd'hui d'aborder un sujet étonnant, l'abeille, un animal aux capacités surprenantes et dont le rôle écologique est fondamental pour notre société. Il y aurait de nombreuses choses à dire sur ce sujet qui est fortement pluridisciplinaire. Mais pour ce webinaire avec Martin Giorfa, nous l'aborderons par l'angle des neurosciences, de leurs capacités cognitives insoupçonnées et l'importance de ces capacités pour la pollinisation, mais également la fragilité, en particulier par l'impact des pesticides sur leur fonctionnement cérébral. Nous accueillons le professeur Martin Giorfa, professeur à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, au Centre de recherche sur la cognition animale. Franco-argentin, il a exercé en Argentine, en Allemagne et en France depuis 2001. Ses travaux portent sur les phénomènes perceptuels, l'apprentissage et la mémoire chez les insectes, et principalement chez les abeilles, et couvrent différentes échelles d'analyse allant du comportement à l'échelle de la molécule. Alors, quelques mots rapides concernant le cadre dans lequel ce webinaire est organisé. Au sein de la direction des relations des entreprises du CNRS, le département des services aux entreprises propose deux services à destination du monde socio-économique. CNRS Formation Entreprise, l'organisme de formation continue, et le service Trouver un expert qui permet de mettre des entreprises en relation avec des laboratoires de recherche. Ce webinaire est organisé dans le cadre des activités de CNRS Formation Entreprise, dont la mission est de transférer les savoirs et les savoir-faire des laboratoires du CNRS et de ses partenaires par des actions de formation professionnelle à destination des secteurs publics et privés. Ce sont des stages habituellement organisés en présentiel, quelquefois en distanciel, et souvent dans les laboratoires de recherche ou au sein des entreprises pour des projets spécifiques. Ce sont des stages courts, entre 2 et 5 jours, en petits groupes, avec bien souvent une part importante consacrée à l'expérimentation ou aux études de cas. Les formations sont dispensées par des personnels des laboratoires de recherche. Et depuis le confinement du printemps 2020, nous avons adopté un nouveau format en organisant ces webinaires dans la continuité de nos missions, en prenant le temps d'avoir un éclairage scientifique sur des questions d'intérêt sociétal. Comment va se passer ce webinaire? Durant une trentaine de minutes, nous aurons l'opportunité d'écouter la présentation de Martin Giorfa et nous réserverons un temps de questions, une trentaine de minutes également, ou plus, s'il y a beaucoup de questions. Questions que vous pouvez poser directement à travers le chat qui est en bas à droite de votre écran. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, nous essaierons de les rassembler par thème et d'aborder les différentes problématiques évoquées. Elles seront affichées au fur et à mesure de la présentation, mais elles seront posées oralement à l'intervenant en fin de webinaire. Alors, petite précision, si vous avez une question spécifique sur une slide, veuillez indiquer le numéro de la slide pour pouvoir y revenir lors de la séance de questions. Et petit détail technique également, si vous avez la caméra, donc la fenêtre de la caméra qui est gênante pour la présentation, vous avez la possibilité de l'accrocher avec un petit bouton en bas à droite de la fenêtre où vous voyez la vidéo, afin qu'elle apparaisse au début du chat. Je vous souhaite à présent un bon webinaire et je laisse la parole à Martin Giorfa. Merci à tous. Eh Eh bien, bien, merci merci Raphaël Raphaël pour pour cette cette présentation. présentation. Donc, d'abord, je tiens à remercier CNRS Formation Entreprise pour la possibilité de vous raconter ces travaux-là et surtout de vous inviter par la suite à des formations qu'on compte faire. Je parlerai de ceci à la fin. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous raconter quelques nouveautés intéressantes et quelques éléments qui vont nous interpeller par rapport à cette relation que nous avons avec les abeilles. Vous savez très bien que les abeilles et les hommes, ça fait partie d'un partenariat millénaire entre deux sociétés organisées, notre société avec ses structures, ses codes de fonctionnement, etc. Et puis la société d'abeilles qui est aussi très organisée, une société organisée en castes où il y a la division du travail, c'est-à-dire on a des individus qui assurent la reproduction comme la reine et les faux bourdons, et aussi une grande masse stérile qui assure la plupart des travaux, c'est-à-dire les ouvrières. Donc, cette société est aussi organisée comme la nôtre, a aussi des codes de communication et un langage pour communiquer comme les nôtres. Et évidemment, nous tirons un grand bénéfice des activités des abeilles, d'où ce partenariat millénaire. Donc, il est clair que la plupart
des cultures mondiales nécessite de la pollinisation des abeilles. Pour nous, les êtres humains, 87% des cultures mondiales nécessitent de l'intervention des abeilles par le biais de la pollinisation. Et ceci représente donc 35% de la production alimentaire globale. Ce n'est pas négligeable. Donc, dans ces images, j'ai inclus, on pourra se demander pourquoi, cet oiseau avec une graine dans le bec, parce que justement, il ne faut pas oublier que ces bénéfices-là ne sont pas seulement pour les humains, mais pour un nombre absolument énorme d'espèces qui vont se bénéficier de cette pollinisation, de cette production de fruits, de graines, etc. Donc, les abeilles sont à la base de toute cette chaîne trophique et toute cette chaîne alimentaire. Et si elles ne sont pas là, c'est pas seulement les humains qui vont donc tirer des conséquences néfastes et lamentables, mais toutes les espèces animales autour de nous, tout l'environnement va en souffrir de cette perte. Donc, et vous savez très bien que le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que ce partenariat millénaire, il est mis en danger, il est mis en péril parce qu'un des partenaires, nous, les êtres humains, est en train de jouer ou de rompre les termes de contrat. Rompre les termes du contrat et ne pas jouer fair play parce qu'on est en train de mettre les abeilles en danger par certaines pratiques que nous sommes en train d'adopter. Façon massive, surtout dans ces derniers temps. Vous savez très bien que dans ces dernières années, il y a une disparition massive des abeilles dans la nature, il y a des pertes colossales pour des apiculteurs, et ceci, évidemment, doit nous interpeller, et on va voir par la suite pourquoi et comment. Donc, vous savez aussi, ceux qui connaissent un petit peu ce que nous faisons, que ce qui nous intéresse, nous, c'est l'aspect cognitif des abeilles, c'est-à-dire leur capacité à apprendre et mémoriser. Effectivement, une question typique qu'on affronte quand on dit ceci, c'est pourquoi t'intéresses-tu à la cognition, à l'apprentissage et à la mémoire à partir des abeilles ? Évidemment, si tu regardes le cerveau humain que je vous montre ici en vue frontale, avec un volume assez remarquable, avec une quantité impressionnante de neurones, vous voyez ici les quantités estimées des neurones dans le cerveau humain, et en même temps, vous voyez les mêmes chiffres pour le cerveau d'une abeille. Ça, c'est un cerveau d'abeille en vue frontale. Hein. Vous voyez, ils ne sont pas à la même échelle parce qu'il fait à peine 1 mm³, hein, donc c'est pas plus grand que la tête d'une épingle. Vous trouverez là-dedans 1 million de neurones, même pas 950 000 neurones. Il faut se demander quel est l'intérêt de s'intéresser aux abeilles pour comprendre l'apprentissage, la mémoire et la cognition si elles sont tellement différentes par rapport à nous. Eh bien, la réponse est là. Les abeilles sont ce qu'on appelle des pollinisateurs constants. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire tout simplement que les abeilles travaillent à la chaîne dans la nature. Donc, elles exploitent une seule espèce florale à un moment donné, tant que cette espèce florale reste profitable en termes de la récompense alimentaire de nectar ou de pollen qu'elle est capable d'offrir. Et cette constance florale, ce fait de travailler à la chaîne, repose justement sur les capacités à apprendre et mémoriser. Si elle travaille à la chaîne, c'est parce que les abeilles apprennent et mémorisent les caractéristiques de la fleur exploitée, par exemple les couleurs, la forme, la position dans l'espace. Et c'est ça qui leur permet de revenir constamment vers ces fleurs exploitées. Donc, ce qui est intéressant pour le chercheur, donc comme moi, c'est qu'on peut entraîner ces abeilles. On peut les entraîner à venir dans le laboratoire, à résoudre des problèmes, à travailler dans des dispositifs. Et c'est là où elles vont répondre à une question de comment elles apprennent, comment elles mémorisent, quelle est la durée de leur mémoire, quelles sont leurs capacités cognitives, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant aussi dans ce petit animal, c'est que vu son intérêt, et ses capacités formidables, des équipes comme la nôtre ont développé au cours des années des méthodes pour entrer dans cette boîte noire magique qui est le petit cerveau de 1 mm³, comprendre son fonctionnement, caractériser la connectique fine et ainsi voir comment se passent ces phénomènes d'apprentissage et de mémoire là-dedans. Donc, on connaît aussi toute la bibliothèque de gènes de cet animal. Et on a donc l'avantage d'avoir un système nerveux qui est relativement simple, 950 000 neurones, donc qui est plus abordable qu'un cerveau à 100 milliards de neurones comme le nôtre. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui très rapidement, parce qu'on a un temps de très, très limité, c'est déjà comprendre le potentiel du mini-cerveau de l'abeille, de quoi est-il capable. On va l'illustrer avec une expérience relativement simple. Et puis, poser la question, est-ce que ces capacités restent au niveau élémentaire? C'est-à-dire, on sait que tous les animaux, y compris les plus simples, sont capables d'apprendre des associations. A veut dire récompense, B veut dire punition. Donc, ça, c'est des associations élémentaires. Vous voyez, lien entre A et récompense, lien entre B et punition,
est-ce que toute l'histoire reste là? Ou est-ce qu'on trouvera quelque chose de plus dans ces petits cerveaux d'abeilles? Est-ce qu'on trouvera des traitements cognitifs qu'on croyait être une prérogative de l'homme, voire de certains primates, qui nous surprendront et qui nous emmèneront donc à nous poser des questions? Si l'abeille est capable de ceci, donc de quel droit je fais cela, moi, dans la nature? Donc, évidemment, le but du neurobiologiste que je suis, c'est aussi de comprendre non seulement ce que l'abeille fait, mais quelles sont les structures, les connectiques dans le cerveau qui permettent de faire ce que cette abeille peut faire. Donc, évidemment, et à la fin, on peut se demander, en tant que responsabilité sociétale, justement, quel est l'effet des traitements pesticides, machinerie fine, que j'essaierai de vous dévoiler dans cette présentation. Donc, la première expérience, comme je vous disais, cherche justement à comprendre quel est le potentiel cognitif du mini-cerveau des abeilles. Est-il capable juste d'associations simples ou peut-il aller au-delà de ceci? Et pour ceci, je vous raconte une expérience faite avec des abeilles en libre vol qui sont identifiées individuellement. Vous voyez par exemple ici une abeille qui est entraînée à venir obtenir une récompense de solution sucrée dans cette micro-pipette au milieu d'un disque jaune. Et vous voyez qu'elle est marquée avec un point de couleur blanc sur le thorax de façon à la reconnaître. Ou celle-ci, par exemple, qui est entraînée sur ce pattern particulier, et vous voyez qu'elle a un point de couleur vert dans l'abdomen pour la reconnaître. Donc ici, on a affaire à des abeilles qui sont donc entraînées à venir travailler dans des dispositifs où elles obtiennent de la solution sucrée et elles vont venir toute la journée donc pour travailler régulièrement pour obtenir cette récompense de solution sucrée. Donc, et l'expérience que je vais vous raconter, c'est une expérience que j'aime beaucoup parce que bon, c'était peut-être la première qui a démarré toute cette reconsidération de l'abeille, qui est celle de l'apprentissage de concepts. Nous, êtres humains, sommes capables d'apprendre à résoudre des problèmes en fonction de concepts, de règles de relations. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire que nous pouvons apprendre à résoudre un problème, non pas à partir d'un objet et de ses caractéristiques, mais à partir de relations entre objets. Par exemple, savoir que ce qui donne l'accès à une récompense, c'est choisir toujours le plus grand objet. Peu importe les objets, ils peuvent varier d'une situation à l'autre. Mais il faut comprendre que, indépendamment de la variation entre ces objets, ce qui compte, c'est que la règle à choisir, choisis le plus grand ou le plus petit, ou choisis par exemple en fonction de celui qui est au-dessus de l'autre. Tu as deux objets et tu auras accès à la récompense si indépendamment des objets et leurs variations, tu choisis toujours celui qui est au-dessus ou celui qui est à droite, et ainsi de suite. Vous comprenez donc que pour trouver la solution à ce problème, il faut s'abstraire de la nature physique d'un objet ponctuel, peu importe s'il est jaune, s'il est bleu, s'il sert à ceci, il sert à cela, c'est les règles de relation qu'on doit être capable d'abstraire. Cette expérience, donc, on l'a faite pour les abeilles, sur une règle en particulier, ce fut la toute première expérience, qui est celle du concept ou de la règle d'équivalence. Dans cette règle, ce qu'il s'agit d'apprendre, c'est choisis ce qu'on te montre préalablement, indépendamment de ce qu'on te montre. Donc, on va montrer au sujet un stimulus, un objet, il ne doit rien faire, et par la suite, on lui montre deux objets. Et là, il doit comprendre que l'accès à la récompense est donné s'il choisit l'objet qui correspond à celui qui a été montré auparavant. Comment on fait ceci avec une abeille? Très simplement, donc cette abeille est entraînée à venir dans ce labyrinthe en Y, et à l'entrée du labyrinthe, on lui montre un disque jaune avec un trou au milieu. Il n'y a pas de récompense ici, il faut simplement passer par le trou et accéder au labyrinthe. La règle est donc, choisis ce que je te montre à l'entrée, indépendamment de ce que je te montre. Donc, dans cette situation, pardon, il faut rentrer et choisir le disque jaune et celui qui est montré à l'entrée. Donc là, si on se pose là, on a la récompense de solution sucrée. Si on va dans le bleu, on sera puni. Il faut tout refaire. 3 minutes après, l'abeille revient et, aux surprises, il n'y a plus de jaune à l'entrée, mais du bleu. Mais puisque la règle est « choisis ce que je te montre à l'entrée », il faut à ce moment-là rentrer et choisir le bleu. Donc, s'il y a du jaune, il faut aller vers le jaune. S'il y a du bleu, il faut aller vers le bleu. Donc, ça, c'est la règle d'équivalence. Mais même si l'abeille arrive à maîtriser jaune, jaune, bleu, bleu, ceci ne suffit pas pour montrer l'existence d'une règle relationnelle. Il faut mettre l'abeille dans une situation absolument nouvelle, déroutante, qui va nous montrer si vraiment elle maîtrise une telle règle.
Donc, les abeilles qui apprenaient ce problème-là venaient au labyrinthe à un moment donné et trouvaient une situation inattendue qui va nous montrer si elles appliquent la règle, choisissent ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on montre. Et donc, elles arrivaient et elles voyaient ces patterns blancs et noirs, pas de couleur, soit verticaux, soit horizontaux. Si l'abeille a une règle, elle ne fera pas attention au fait que c'est des objets jamais vus. Elle verra du vertical et elle rentrera sans hésitation, elle choisira le pattern vertical. Ici, au contraire, elle rentrera et elle choisira de l'horizontal. Dans cette expérience, on avait des abeilles qui étaient entraînées à l'envers, c'est-à-dire deux groupes. Un groupe entraîné sur les couleurs et testé sur ces patterns que vous voyez dans les images, et un autre groupe qui était entraîné cette fois-ci sur les patterns et testé sur les couleurs. Dans les deux sens, donc. Voici l'apprentissage des deux groupes. En rouge, les abeilles entraînées sur les couleurs, donc bleu, bleu, jaune, jaune, et ainsi de suite. Et en bleu, les abeilles entraînées sur les patterns vertical, vertical, horizontal, horizontal. Ce que vous voyez ici, c'est des blocs de 10 visites au labyrinthe. Donc, ça veut dire 60 allers-retours de l'abeille entre la ruche et le labyrinthe. Pour vous donner une idée, c'est une journée de travail de l'abeille. Et donc, vous voyez ici le pourcentage de choix correct. Et vous voyez que chaque groupe, à la fin de la journée, n'est pas mauvais du tout. Entre 70 et 75 de choix correct, c'est pas mal pour une abeille. 7 fois sur 10, ne se trompe pas, donc c'est déjà pas mal. Mais on ne démontre pas pour l'instant l'existence de la règle abstraite. La démonstration arrive là. Les abeilles qui ont été entrées avec les couleurs en rouge vont arriver à la fin de cet entraînement et vont voir pour la première fois qu'il y a un pattern vertical ou horizontal à l'entrée. Et quand elles voient ceci à l'entrée, dès le premier choix et sans hésitation, s'il y a du vertical, elles choisissent du vertical, et s'il y a de l'horizontal, elles choisissent de l'horizontal. Par contre, les abeilles entraînées sur les patterns qui arrivent à la fin de l'entraînement et voient du bleu à l'entrée pour la première fois, elles choisissent du bleu, et s'il y a du jaune, elles choisissent du jaune. Cette expérience, elle était intéressante parce qu'elle démontrait pour la première fois que les abeilles sont capables d'apprendre des concepts. Non plus une couleur récompensée, non plus une autre couleur non récompensée, mais vraiment une règle abstraite qui lie des objets et qui est transférable à des objets différents. Donc, elles ont appris ce concept d'équivalence. Je n'ai pas le temps de vous le montrer ici, mais elles peuvent aussi apprendre à choisir le concept opposé qui est « choisis toujours le contraire de ce que je te montre, indépendamment de ce que je te montre à l'entrée ». Et entre-temps, on a fait beaucoup d'expériences sur les apprentissages conceptuels. On a montré qu'elles peuvent apprendre plein de règles de relation, choisir ce qui est au-dessus de, au-dessous de, à droite de, à gauche, etc., etc. Donc, on a aussi montré l'existence du concept du nombre, c'est-à-dire que les abeilles peuvent compter des quantités spécifiques jusqu'à 5 à l'heure actuelle. Et donc, cette capacité numérique existe aussi parmi les facultés cognitives que possèdent les abeilles. Donc, avec ça, j'espère donc qu'on commence à regarder ces petits insectes d'une façon différente. Ce n'est pas des petits robots, ce n'est pas des machines, ce n'est pas des êtres frustres. C'est des êtres purement cognitifs avec des capacités absolument remarquables qu'on croyait être une prérogative de l'homme. On va passer maintenant à une autre expérience qui va nous permettre d'aller plutôt vers le cerveau de l'abeille. Donc ici, on va parler de l'apprentissage et la mémoire des odeurs. Et dans le laboratoire, il est possible d'apprendre aux abeilles qui ne bougent pas, sont immobilisés, comme vous voyez ici dans l'image, dans des petites types de contention, il y a juste la tête qui sort, on peut leur apprendre, malgré cette situation de contention, une association entre une odeur neutre qui ne déclenche pas de réponse chez cette abeille et une récompense de solution sucrée. Et l'intérêt de faire ceci dans ce type de protocole, c'est que cette fois-ci, comme l'abeille ne bouge pas, contrairement aux expériences précédentes, on peut accéder à son cerveau, enregistrer l'activité neuronale, caractériser la connectique fine et voir ce qui se passe là-dedans. Comme par exemple ici, que vous voyez une abeille immobilisée et la possibilité d'accéder avec une électrode à des neurones particuliers à l'intérieur de ce cerveau pour les enregistrer. Donc, on va parler donc de ce type d'apprentissage, qui est un apprentissage des odeurs et qui exploite un réflexe inné qu'ont les abeilles, qui est le réflexe d'extension du
proboscis. Qu'est-ce que le proboscis? C'est tout simplement la langue, la trompe des abeilles. Et c'est un protocole qui doit nous rappeler un petit peu la fameuse histoire du chien de Pavlov. Vous savez, Pavlov avait un chien qui salivait à la vue de la viande, et donc dans son animalerie, il y avait un son de cloche qui annonçait l'arrivée de la viande. Et Pavlov constate au bout d'un moment que les chiens salivent au son de la cloche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient créé une association qui n'existait pas au début, que cloche voulait dire viande. La cloche anticipait l'arrivée de la viande. Vous allez voir que c'est le même principe ici. Les abeilles ne salivent pas, mais elles étirent la langue si on touche leurs antennes avec une gouttelette de solution sucrée, ce qui est l'équivalent d'une réponse innée, non apprise. Hein. Donc, on touche les antennes où il y a aussi des récepteurs au sucre avec une gouttelette d'eau sucrée, pac, l'abeille étire la langue. Parce qu'il y a de la récompense alimentaire autour. Et ce qu'on va faire ici, c'est on va pas employer de cloche, mais une odeur qui n'a pas de signification pour elle. Cette odeur, donc, vous voyez l'abeille ici dans le petit tube de contention, va être fournie par cet olfactomètre qui envoie constamment un jet d'air propre vers la tête de l'animal. Donc, on va faire passer un pulse d'odeur et on arrive par la suite, donc voici la machine, voici l'abeille, et on arrive par la suite avec un cure-dent imbibé en solution sucrée pour toucher les antennes et déclencher l'extension du proboscis. De cette façon, donc, l'abeille va apprendre que chaque fois qu'il y a l'odeur qui arrive, ben, le sucre arrive juste après. Donc, voici comment ça se passe. Vous allez voir ici donc l'abeille qui ne peut pas s'échapper, mais qui bouge librement ses antennes et ses pièces buccales. Un carreau rouge ici va indiquer le moment où l'odeur arrive pour la première fois. Vous voyez pas de réaction particulière. Mais maintenant, le cure-dent avec le sucre déclenche l'extension du proboscis. C'est une réaction très évidente. On peut bien la mesurer. Vous voyez que l'abeille insiste parce qu'elle a bien aimé cette solution sucrée. Et donc, on va avoir créé par ceci cette association entre odeur et récompense de sucre. La preuve est là, c'est que si maintenant je donne l'odeur toute seule, en absence de sucre, maintenant ce que vous allez voir, c'est que l'abeille va étirer le proboscis à la présence de l'odeur en absence de sucre, parce que odeur veut dire sucre. L'intérêt de ce protocole, c'est que non seulement l'abeille est immobilisée, donc permet l'accès à son cerveau, mais c'est qu'il se passe très, très rapidement. Vous avez vu, film une association odeur-sucre, si je fais 6 de ces expériences, 6 associations odeur-sucre, que je mesure l'extension du proboscis chez un groupe d'abeilles qui ont été entraînées avec une odeur que j'appelle l'odeur A, A+, parce qu'elle a été associée à la récompense, eh bien, typiquement, j'obtiens ceci. Donc, vous voyez qu'au bout de 2 essais, bah, la plupart des abeilles, 90% des abeilles, répondent à l'odeur récompensée. Donc, ça marche incroyablement vite parce que, considérez qu'il y a juste 5 ou 10 minutes entre chaque essai, vous voyez, c'est très efficace. Et très... Non seulement ceci, mais cet apprentissage peut créer des mémoires qui peuvent durer toute la vie de l'animal si, logiquement, entre-temps, elles n'apprennent pas d'autres odeurs. Pour ceci, par exemple, je peux mettre mes abeilles dans un incubateur, les nourrir régulièrement, jour et nuit, les garder au noir, mais sans autre odeur qui vienne interférer avec ce qu'elle a appris. Je peux les garder ainsi, par exemple, 2 semaines. Et si je les remets dans mon dispositif 2 semaines plus tard, et je leur demande, bon, tu te souviens quelle odeur as-tu appris ici il y a 2 semaines? C'était A, c'était B ou C? Typiquement, les réponses qu'on va obtenir, c'est du genre, comme ce que vous voyez ici. Hein. Donc, c'est spectaculaire, ce qui explique pourquoi on les utilise pour comprendre la mémoire. Et aussi, donc, l'avantage, c'est qu'on peut, comme je vous disais, accéder à ce cerveau qui apprend et mémorise. Donc ici, si on regarde ce cerveau qui apprend et mémorise, donc, on a fait des découvertes récentes, nouvelles, toutes nouvelles, par exemple la date de ce travail, qui ont permis de reconsidérer ces mémoires et voir qu'elles sont bien plus spectaculaires qu'est-ce qu'on pensait. Avant, on disait, jusqu'à très peu de temps, que le fait d'avoir une simple association odeur-sucre, comme ce que vous avez vu dans le film, créait des mémoires, certes, mais des mémoires qui étaient relativement durables. Que pour créer des mémoires qui duraient plusieurs jours, comme ce que je vous ai raconté, il fallait faire plusieurs essais. Vous avez vu 6 dans ma courbe précédente. Et donc, on disait, oui, il en faut plusieurs pour créer des mémoires qui durent plusieurs jours. Mais avec un seul essai, tu vas aller pas très loin. Effectivement, on disait que on fait une seule association en odeur-sucre, on peut voir la mémoire 1 minute après, 15 minutes après, 1 heure après, 4 heures après éventuellement, mais bon, pas du tout un jour après, ça disparaît. Ça disparaît, ça se maintient pas dans le temps. Donc, pas de mémoire à long terme après un seul essai de récompense. Nous, ce qu'on
c'est que ces expériences, en fait, on les questionnait parce qu'elles n'avaient pas employé les bonnes abeilles. On considérait qu'on avait pris dans ces expériences-là, les gens qui avaient fait ceci, du tout venant, c'est-à-dire des abeilles prises à l'intérieur de la ruche, etc., sans tenir compte qu'on parle d'un réflexe appétitif. Et donc, il fallait utiliser des véritables butineuses pour tester ces mémoires-là. Donc, on a utilisé des véritables butineuses prises dans un nourrisseur et on a dit, bon, qu'est-ce qui se passe quand on te donne un seul essai odeur sucre? Effectivement, on a vu qu'on avait des mémoires à 1 heure, mais à notre grande surprise, et à 4 heures, mais à notre grande surprise, on a vu aussi des mémoires qui étaient là 1 jour après, voire 3 jours après. Donc, cette histoire de dire que la mémoire disparaît après un seul essai 1 jour après n'est pas vrai. On a montré maintenant que ces mémoires donc, peuvent durer plusieurs jours, vous voyez, donc après un seul essai de conditionnement, on a des mémoires qui durent certainement des minutes et des heures, mais aussi des jours. Donc, quand on dit mémoire d'éléphant, oui, non, je dirais plutôt mémoire d'abeille, parce qu'avec une seule expérience récompensée, je peux générer des mémoires durables qui durent plusieurs jours. Donc, où sont ces mémoires? Où dans le cerveau sont-elles? Si on regarde ici le cerveau de l'abeille, vous voyez par exemple la partie des lobes optiques ici, et ça fait partie vraiment des circuits olfactifs puisque c'est les circuits qui sont liés aux antennes qui sont les organes de détection des odeurs. Sur ces antennes-là, on a à peu près 60 000 récepteurs olfactifs qui sont distribués dans des structures spécialisées et ils vont donc produire des signaux nerveux qui vont voyager le long de l'antenne pour aller vers le cerveau. Là, elles vont être têtées par différentes structures, comme cette structure-là qu'on appelle le lobe antennaire, mais surtout des tracts de neurones vont véhiculer ces informations vers une structure appelée la corde latérale, et surtout vers ces grandes structures rouges, vous voyez, elles occupent à peu près 30% du cerveau, c'est énorme, et qui s'appellent les corps pédonculés ou corps en champignon. C'est les centres supérieurs, et on a toujours dit, et voire montré, que là-dedans sont stockées les mémoires olfactives à long terme. Que voici, pour revenir donc un détail de cet hémisphère olfactif, je vous montre juste un hémisphère. Et là, vous voyez ce que je vous racontais. Ça, c'était le lobe antennaire. Donc, on arrive de là, on arrive de l'antenne vers cette première structure. Et puis, on part par des autoroutes, pour ainsi dire, de neurones qui vont emmener les informations vers ces grandes structures appelées les corps pédonculés ou corps en champignon. Voici une de ces structures-là. Donc, vous voyez, on arrive par là, par là. Et ces structures sont particulièrement intéressantes parce que, comme je vous dis, c'est là où converge ou finalise le traitement des odeurs. Donc, on va regarder un petit peu plus de détail ce qui se passe là-dedans. Donc, ces corps pédonculés sont aussi intéressants parce que c'est des centres qui ressemblent beaucoup, malgré les différences évolutives et de taille, à certains centres que nous avons dans notre cerveau. Vous savez, nous, on crée des représentations multimodales. Qu'est-ce que ça veut dire? Grande-mère, ce n'est pas simplement l'image de notre grande-mère. C'est peut-être l'odeur de sa maison, le goût des gâteaux qu'elle savait faire. Bon, tout ça converge pour créer une représentation sur différentes modalités. Ceci est possible aussi dans le cerveau de l'abeille, puisque cette structure-là combine l'arrivée d'informations olfactives ici, d'informations visuelles là, gustatives, mécanosensorielles, etc. Converge dans cette structure, comme dans notre cortex associatif. Et donc, c'est une structure associative qui pourrait expliquer pourquoi les abeilles peuvent transférer une règle entre patterns sans couleur et disques de couleur, par exemple. Et il y a aussi, comme je vous disais, preuve que là-dedans, on stocke les mémoires à long terme. Comment ceci est fait? Donc ici, je vous montre encore une fois, cette fois-ci, une coupe de cerveau d'abeille, mais on peut reconnaître les lobes antennaires. On arrive des antennes ici. Je vous disais qu'il y a des tracts de neurones qui partent vers ces corps en champignon que vous voyez ici. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous montrer comment ces corps en champignons sont organisés au niveau de l'entrée, là où on arrive avec les informations. Et on va regarder, c'est là la région d'entrée. Je vous disais que là, il y a l'arrivée des informations olfactives, visuelles, etc. Je vais élargir cette portion pour que vous voyez comment c'est fait. Donc ça c'est la partie donc, où il y a l'arrivée des informations olfactives. Donc, les fameux neurones qui arrivent d'ici, arrivent du premier centre de traitement des odeurs, vont arriver là. Ici, on va voir au contraire l'arrivée des neurones qui viennent des lobes optiques, donc en menant des informations visuelles.
Donc, je vais encore élargir un petit peu pour vous ce que vous voyez ici. Et là, vous voyez cette structure. Donc, et là, vous voyez des microstructures. Donc, regardez l'échelle. Je vous ai dit ici que ici, on a une échelle donc qui est indiquée de 20 micros. Et chaque petite sous-unité que vous voyez ici, hein, vous les voyez avec un point rouge et un pourtour vert, il y en a des milliers, hein, donc fait 3 microns. 3 microns, juste pour vous montrer jusqu'à quel point, avec des outils d'optique avancés, on peut arriver à résoudre ce qu'on voit là-dedans. Un micron, donc c'est 0,001 mm. Donc, chaque petite structure fait 3 microns. Et c'est quoi ces petites structures? Eh bien, ce que vous êtes en train d'apprécier là-dedans, c'est la magie de la connectique fine du cerveau de l'abeille. Ce petit point en rouge que vous voyez là, c'est moi qui l'ai marqué en rouge avec un colorant pour indiquer un neurone qui arrive de là en disant j'amène une information olfactive et je l'ai marqué en rouge pour qu'il puisse être reconnu dans cette structure. Et j'ai marqué avec un colorant vert, comme vous voyez ici, okay, toutes les petits neurones qui vont l'entourer pour prendre cette information et qui vont constituer ses corps en champignons. Donc, en vert, les neurones constitutifs du corps en champignon. En rouge, le neurone qui arrive en disant « je t'emmène cette information olfactive ». Donc, ce que vous voyez, ce bouton rouge avec un pourtour vert, c'est ça. C'est le neurone qui arrive en disant « je t'emmène cette odeur » et les neurones des corps en champignon qui l'entourent et qui prennent cette information. Maintenant, on comprend que ce qu'on voit ici, c'est cette connectique fine de ce cerveau et toute cette connectique distribuée qui permet tenir ces informations olfactives. Donc, cette petite structure que vous voyez ici s'appelle des microglomérules. Très bien. Pourquoi c'est intéressant? Parce que maintenant, on peut arriver à la partie finale de cette présentation qui doit être forcément courte. Donc, on peut regarder quel est l'impact des traitements des pesticides au niveau de ces corps pédonculés, de ces corps en champignons que, comme vous l'avez compris, sont extrêmement importants pour stocker les mémoires à long terme, puisque les mémoires à long terme sont dans cette connectique fine. C'est là où on stocke les mémoires à long terme. D'ailleurs, justement, la densité de ces microglomérules augmente quand les abeilles forment des nouvelles mémoires, parce que c'est là où sont stockées ces mémoires. Donc, qu'arrive-t-il à ces corps pédonculés, à ces microglomérules, quand les abeilles sont traitées avec des doses sublétales de pesticides? Et comme je dis toujours, le mot sublétal est le mot tricheur de l'histoire. Parce qu'effectivement, on va préconiser que si les pesticides sont traités avec des doses sublétales, les abeilles ne vont pas mourir comme d'autres insectes. Et c'est vrai. Parce que, comme vous le voyez ici, l'expérience a consisté à traiter des larves de un jour non operculées avec des doses sublétales d'imidaclopride. Et effectivement, les abeilles n'en meurent pas. Elles se développent jusqu'à l'âge adulte. Et on dirait, avec notre ignorant système, ne serait-ce que de l'extérieur, qu'elles sont normales. En tout cas, on ne voit pas à simple vue des faits particuliers. Mais justement, ce qui a été fait dans cette expérience, c'est de prendre ces individus adultes à l'âge de 20 jours cette fois-ci et regarder l'organisation de leur corps pédonculé, que vous connaissez déjà. Donc ici, vous voyez la partie olfactive des corps pédonculés, ce que vous avez vu avec moi dans l'image précédente. Vous ne voyez pas de petits points rouges parce que bon, le neurone qui arrive n'a pas été marqué avec un colorant, mais vous voyez et les boutons, cette fois-ci avec une seule couleur, vous les voyez, les microglomérules, de façon parfaite. Ce que vous voyez ici, c'est un groupe contrôle qui n'a pas été traité avec de l'imidaclopride. Et puis, vous voyez un groupe qui a été traité, dont les larves ont été traitées avec 1 ppb de pesticides. C'est quoi ppb? Ppb, c'est marqué ici, c'est en anglais « part per billion », ça veut dire une partie par milliard. En d'autres mots, 10 à la moins 9 de pesticides, un milliardième de pesticides, rien. Okay? Donc, on est vraiment au-dessous même des doses sublétales qui sont préconisées. Très bien, 100 ppb, on est dans les 12 sublétales. C'est un petit peu plus, mais vous voyez, c'est toujours 10 à la moins 7, c'est quand même rien. Okay? Et là, on commence à voir certaines taches noires dans l'image. Okay? Et puis 500 ppb, mais si c'est 5 fois 10 à la moins 7, on voit l'image noire, ou relativement noire. Qu'est-ce que ceci veut dire? Eh bien, on ne peut pas rester sur cette impression de I plus noir, moins noir. Il faut aller avec des outils de microscopie 3D et quantifier la présence de ces microglomérules dans ces différents groupes. Voici ce que ça donne. Ici, les abeilles contrôlent,
Les abeilles contrôle, on dit c'est notre 100%, on normalise à 100%. Et là, les abeilles traitées avec un ppb, on voit une descente qui finalement n'est pas significative. Mais dès qu'on a 100 ppb, qui est 10 à la moins 7, vous voyez que les microglomérules ont disparu. C'était pour ça qu'on avait des taches noires dans l'image, de façon significative dans la région olfactive. Et si on fait avec 500 ppb, la diminution des microglomérules, de la densité microglomérulaire est encore plus importante. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire tout simplement que ces pesticides ont permis aux abeilles de se développer soi-disant normalement. Mais en fait, ce n'est pas normal, puisque ce qu'on a généré par ce biais, c'est des abeilles qui ont des lésions cérébrales. C'est des individus qui ne seront plus capables de stocker des mémoires à long terme de la même façon, qui forcément vont mal apprendre, vont pas avoir de mémoire de même niveau et qui vont peut-être se perdre aussi dans la nature à cause de ces déficits dans les structures fondamentales pour leur traitement cognitif. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère tenir le temps. Donc, on a montré ici que le cerveau des abeilles consiste de réseaux de neurones, de structures neurales qu'on peut identifier, qu'on peut analyser. Vous avez vu les circuits olfactifs, vous avez vu leurs structures fines, leurs connectiques fines. Et on voit que ce cerveau est capable de produire des comportements stéréotypés, c'est-à-dire réflexes, comme l'extension du proboscis, mais aussi des comportements plastiques, c'est-à-dire résultant de l'expérience individuelle, de l'apprentissage, et non seulement de l'apprentissage simple, mais de l'apprentissage de haut niveau, comme vous avez pu le voir avec moi. Vous avez vu, par exemple, les apprentissages visuels en libre vol, l'apprentissage de concepts. On a vu des apprentissages olfactifs qui donnent lieu à des mémoires à long terme, et assez spectaculaires, d'ailleurs, parce que vous avez vu la robustesse de ces mémoires avec un seul effet de conditionnement. Vous avez vu qu'on a affaire à un cerveau plastique qui génère de nouvelles connexions, etc., et surtout qui est sensible aux nuisances que nous sommes en train de produire. Donc, c'est un cerveau qui est très performant, qui permet de comprendre les mécanismes de base de certains processus cognitifs. J'espère que vous avez compris pourquoi on étudie les abeilles. Évidemment, parce qu'on les aime, c'est clair, mais aussi parce qu'elles nous permettent de comprendre aussi comment se passent certaines modifications cérébrales aussi chez nous. Donc, et ils méritent donc du respect et de la protection. Donc, ceci permet de réviser nos préconcepts et notre vision à propos de notre positionnement dans la nature. Donc, je voudrais juste finir en remerciant l'équipe qui est responsable de ces travaux et surtout CNRS Formation Entreprise qui nous donne la possibilité, et je tiens à vous inviter, à tous ceux qui voudront faire, qui nous donne la possibilité de faire au mois de mai une formation dans notre rucher pour ceux qui voudront la suivre, où vous pouvez venir prendre avec nous toutes les méthodes comportementales qui mettent à jour le potentiel cognitif des abeilles. Les entraîner dans des labyrinthes en Y à résoudre des problèmes visuels, les entraîner avec des odeurs, et si ceci nous est permis aussi de voir éventuellement comment dans ces apprentissages les traitements pesticides affectent leur capacité cognitive. Donc je vous invite à participer dans ces formations. Et je vous remercie surtout pour avoir été présent dans cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin, pour ce webinaire passionnant qui, j'espère, nous fera tous changer notre regard sur les abeilles, leur rôle, leur capacité. C'était assez impressionnant de voir tout ce que cet animal est capable de faire. Merci également à tout le monde. Donc, on va passer à une séance de questions. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de CNRS Formation Entreprise qui a pris part à l'organisation de ce webinaire, en particulier Samantha Duquet-Fonti, qui est responsable de communication marketing. Cette formation organisée par CNRS Formation Entreprise, donc on vous enverra le lien, la destination de tout le monde, évidemment, mais surtout des professionnels de l'apiculture qui sont intéressés par le développement des connaissances autour des abeilles. Il y a une session en mai et également à l'automne. Alors, pour les questions, globalement, on a beaucoup de questions sur l'apprentissage et beaucoup de questions sur l'effet des pesticides. On va peut-être commencer sur l'ordre du webinaire par une première question. Alors, Martin, combien de temps cela prend pour que l'abeille apprenne le concept d'équivalence ? Évidemment, beaucoup tant que ce que ces apprentissages olfactifs simples que j'ai montrés. Par exemple, j'avais raconté lors du concept d'équivalence qu'on avait fait 60 allers-retours entre la ruche et le labyrinthe pour apprendre ceci.
Évidemment, les courbes d'apprentissage, je ne sais pas si vous les avez en tête, montraient qu'elles apprenaient avant ça. On a juste normalisé à 60 pour que toutes les abeilles aient la même expérience, mais déjà à partir de 30 expériences, ça fait à peu près trentaine d'allers-retours, elles sont capables d'apprendre ce concept d'équivalence. Ça demande plus, logiquement, que des expériences simples, mais quand même, je voudrais souligner que des collègues qui travaillent en neurosciences avec moi, qui font ces expériences similaires chez les primates, ont besoin de mois pour entraîner des macaques à des tâches similaires, alors qu'ici, on le fait dans moins d'un jour. Évidemment, la durée de vie d'un macaque n'est pas la même que celle d'une abeille. Il faut peut-être normaliser par rapport à la durée d'un macaque animal, mais c'est quand même assez remarquable que ça tienne en une journée ou même moins. Merci. Alors, le webinaire portait un peu sur le comportement individuel des abeilles. Il y a deux questions qui se recoupent que j'ai publiées à la suite sur l'effet de transmission. Les abeilles communiquent entre elles. Dans l'expérience de la conceptualisation, ont-elles l'opportunité de se transmettre le savoir acquis? Et également la question, avez-vous essayé de tester si l'apprentissage du concept est transmissible à une autre abeille? Tout dépend de ce qu'on appelle transmissible ici. Il est clair que les abeilles reviennent à la ruche et font une danse. Je pense que beaucoup d'entre vous savent que les abeilles ont une danse qui indique la direction et la distance de la source alimentaire d'où elles reviennent. Et cette danse, néanmoins, n'informe pas quel problème va-t-on avoir quand on arrive à l'endroit. Elle dit tout simplement où il faut aller. Donc, dans la ruche, les abeilles n'ont pas moyen de dire il faut faire ceci ou faire cela. Elles vont dire tout simplement il faut aller dans cette direction à une telle distance. Donc, pas de transmission à ce niveau-là. Néanmoins, ce que les abeilles font, c'est une fois arrivées au dispositif, donc si elles ramènent d'autres abeilles, on voit clairement que leur comportement change. Évidemment, l'expérimentateur travaille avec une seule abeille à la fois, donc il va pas vouloir que ces autres abeilles qui arrivent d'un coup recrutées interviennent dans l'expérience et donc il va les capturer et les sortir. Mais si par hasard il voulait juste regarder ce qui se passe, il verrait que l'abeille qui est entraînée change son comportement. Elle va aller beaucoup plus lentement, elle va s'arrêter à l'entrée, etc., alors qu'elle travaillait très rapidement et très efficacement pour essayer de montrer aux autres dans le labyrinthe ce qu'il faut faire. Donc là, on est en train d'avoir ce qu'on appelle un apprentissage par observation. Et pas pour le concept d'équivalence, mais dans d'autres expériences, ceci a été démontré très clairement. C'est-à-dire, on a pu démontrer qu'une abeille travaille dans une arène, par exemple, avec des disques jaunes et bleus, les uns récompensés, les autres non. Si, par exemple, on met des abeilles derrière une sorte de vitre, regardez ce que cette abeille fait. Une fois qu'on libère ces abeilles observatrices, elles vers la bonne solution juste par observation de ce que l'autre a fait. Donc l'apprentissage observationnel existe et donc est possible. Et si on appelle ça de la transmission, c'est de la transmission, mais par observation. Pas parce que l'abeille est capable de dire dans la ruche ce qu'il faut faire. Mais c'est déjà pas mal. En effet, la durée de mémorisation n'est-elle pas influencée par la qualité, peut-être quantité aussi, de la récompense? C'est une très bonne question parce que logiquement, les abeilles suivent les mêmes principes que les vertébrés, les mammifères, dans leurs critères d'apprentissage. On sait très bien que pour un animal, pour un être humain, la qualité ou l'intensité de la récompense joue sur la façon dont nous apprenons. Évidemment, si la récompense est, je vais caricaturer, 30 000 euros, on va apprendre d'une façon différente que si la récompense est juste 1 euro. Donc, évidemment, ces critères interviennent. Donc, et pour l'abeille, ça va être le cas. Si on donne des solutions sucrées de mauvaise qualité, diluées, etc., l'apprentissage va être plus lent, la mémoire ne va pas être forcément aussi stable. Les expériences ont été faites ici de façon à situer les abeilles dans des conditions optimales, standardisées, c'est-à-dire une récompense de solution sucrée de 50%, qui est optimale pour une abeille. Mais effectivement, si on commence à jouer sur ces critères-là, comme pour tout autre animal, et si on change donc la qualité de la récompense, l'apprentissage va diminuer ainsi que la mémoire. C'est logique. Alors, une petite question parenthèse originale, mais que je souhaite publier. Est-ce qu'une reine qui ne butine pas possède les mêmes facultés qu'une ouvrière butineuse, odeur, récompense, ou a-t-elle d'autres facultés? Bon, sans développer les facultés de la reine, mais est-ce qu'elle possède surtout ces mêmes capacités?
C'est une excellente question et très difficile à répondre du point de vue des coûts de l'expérience. Parce que y a très peu d'expériences faites sur les capacités cognitives des rennes. Vous comprenez, par exemple, vous l'avez peut-être compris, que pour avoir de la solidité scientifique dans une expérience, il faut faire passer des centaines d'individus. Quand je vous montre une courbe d'apprentissage d'odeur sucre, ben c'est parce qu'il y a 50 ou un minimum de 50 abeilles qu'on a utilisées pour avoir robustesse du résultat. Donc, si je veux faire passer 50 rennes pour tester leur apprentissage, ça va être cher. Je pense que nos amis apiculteurs savent ce que ceci veut dire. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu cet accès-là et je pense que tout le monde fait face à ce problème. Et donc, ça veut dire faire passer tout un rucher quelque part. Et donc, on a mal testé, on connaît très mal les capacités cognitives. Ce qu'on peut répondre par contre, c'est que on a testé les capacités des faux-bourdons. Ces pauvres faux-bourdons mal aimés, inutiles et en partie ils le sont, c'est vrai, ne sont pas si bêtes que ce que l'on croit. Évidemment, ils ne sont pas capables d'obtenir la nourriture par eux-mêmes, mais c'est pas pour autant que si on les met dans les dispositifs de contention, ils ne sont pas capables d'apprendre des associations odeur-récompense. Évidemment, ils apprennent. Et ils apprennent pas mal, finalement. Évidemment, c'est parce qu'on leur donne le sucre. Ils vont le chercher d'eux-mêmes. Mais néanmoins, ils sont pas si bêtes, finalement. Donc, il faut peut-être voir un certain aspect positif du point de vue cognitif chez ces faux-bourdons. Mais comme je dis, ces expériences sur les rennes n'ont pas vraiment été développées de la même façon. On comprend pourquoi. Alors, une question qui va faire la transition avec un sujet qui alimente beaucoup de questions sur les pesticides. Pourrait-on alors apprendre aux abeilles à éviter les cultures traitées avec les insecticides? On avait essayé de faire ceci. Et là, on a fait une autre découverte très intéressante. C'est les travaux justement de mon épouse, qui est chercheuse ici aussi dans l'équipe. À un moment donné, on s'est dit, bon, peut-être que si on associe les solutions sucrées à des goûts amers, peut-être on peut leur apprendre à éviter d'aller vers des solutions sucrées. Et donc, une combinaison donc de traitement avec des solutions à goût amer, là où on aurait des pesticides, on les empêcherait de butiner là-dedans. Mais c'est là où on a découvert quelque chose, c'est que les abeilles sont très, très peu sensibles à ces goûts amers, et donc ça n'a pas marché. Et par la suite, quand le génome de l'abeille, c'est-à-dire la bibliothèque des gènes de l'abeille, a été décodé, on a compris pourquoi. Parce que sachez, par exemple, que la plupart des insectes ont des centaines de récepteurs gustatifs, ça veut dire la potentialité de reconnaître des centaines de goûts. L'abeille, donc curieusement, n'a que 12 récepteurs gustatifs. Encore une particularité de cet insecte par rapport aux autres insectes. Que 12 récepteurs gustatifs. Pour l'instant, ils ne sont pas très bien caractérisés, mais quand on regarde les récepteurs gustatifs au goût amer qui existent chez la plupart des insectes, les mouches, etc., aucun des récepteurs gustatifs de l'abeille ressemble du point de vue structure moléculaire à ces récepteurs au goût amer. Peut-être que d'autres récepteurs servent à cette fonction, mais pour l'instant, on n'a pas été capable de montrer une grande sensibilité. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et on n'a pas trouvé pour l'instant le moyen d'éviter d'aller, ne serait-ce que par le biais du goût, vers ces traitements pesticides. Merci. Alors, une petite question peut-être spécialiste, mais à laquelle vous pouvez répondre rapidement. Est-ce que toutes les expériences ont-elles été réalisées sur Apis mellifera ou d'autres espèces ont-elles été étudiées? Je pense que... Non, il y a d'autres espèces qui ont été étudiées. Apis mellifera, l'abeille domestique, c'est évidemment notre modèle parce que je travaille dessus depuis des années. Déjà, dans l'équipe que je dirige ici à l'Université Paul, il y a plein de chercheurs qui travaillent non seulement sur l'abeille, mais sur d'autres insectes. Donc, il y a des gens qui travaillent sur les bourdons, bombus, hein, les gros que vous voyez dans les fleurs. Il y a aussi des travaux qui sont faits sur les fourmis, il y a aussi des travaux qui sont faits sur la drosophile, la mouche des vinaigres, etc. Et d'autres gens, donc d'autres équipes, ont travaillé sur d'autres abeilles, des abeilles solitaires, etc. Moi-même, donc avant Covid, je travaillais régulièrement en Chine et on avait testé des espèces d'abeilles asiatiques. Donc, Apis mellifera, Serrana, etc. Et oui, effectivement, pas seulement sur les abeilles domestiques. Et ça touche un point important qu'il faut pas oublier.
Quand on met en avant l'abeille domestique pour dire, comme on a dit, attention à ce qu'on fait à l'environnement, on a des êtres cognitifs là-dedans et qui ne méritent pas ce manque de respect qu'on est en train de faire ou d'appliquer à l'environnement par le traitement de pesticides, par le traitement des monocultures, etc. Ce n'est pas simplement l'abeille domestique qu'il faut mettre en avant, c'est toutes ces espèces-là qui vont subir, et tous les autres insectes et toutes les autres espèces animales qui vont subir donc ces mêmes dégâts au niveau de l'impact sur leur système nerveux et capacité cognitive. Donc la réponse est oui, on a testé d'autres abeilles et effectivement c'est important du point de vue comparatif et aussi pour les raisons que je viens d'expliquer. Merci. Est-ce que tout pesticide sera toxique pour les abeilles ou seulement certains types de pesticides? C'est une question difficile à répondre parce que les pesticides changent les formulations et les molécules régulièrement pour faire face aux contestations, etc. Et donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché, il faut le tester. Il faut voir quel est son effet, etc. Le problème de ces tests, c'est que, c'est mon point de vue, et ça n'engage que moi, évidemment, et on peut être en désaccord, c'est que les règles pour l'application de ce pesticide préconisent certaines méthodologies pour tester l'impact des pesticides qui sont des études de champ, c'est-à-dire ce qui va se passer dans la nature, et l'unité d'analyse, c'est la ruche. Vous avez vu que les études que je vous ai présentées changent l'échelle d'analyse. On est au niveau de l'individu, on est au niveau du cerveau, et clairement, ce type d'analyse n'est pas considéré recevable pour tester l'impact de pesticides. Mais donc cette question est difficile à répondre parce que bon, il y a des nouvelles générations de pesticides qui arrivent et on dit bon voilà, elles sont pas nuisibles. Mais maintenant, par exemple, cette nouvelle génération qui est sortie sur le marché, on vient de montrer que sur des travaux sur des bourdons, qu'elles ont des impacts sur la reproduction aussi. Donc c'est une question qu'on ne peut répondre que coup par coup. Au fur et à mesure que ces produits apparaissent. Très bien. Alors, il y a plusieurs questions qui font le lien entre l'abeille sujet d'étude et l'abeille modèle pour ensuite comprendre d'autres animaux tels que l'humain. Donc, veuillez m'excuser, je suis en train de retrouver la question. Y a-t-il des comparaisons? Y a-t-il des comparaisons avec des pertes de neurones et le cerveau humain exposé aux pesticides? Y a-t-il des comparaisons avec... Oui. Donc, il n'y a pas de comparaison directe. Mais ce que je dis toujours, parce qu'effectivement, dans le laboratoire où je suis, il y a aussi des équipes qui travaillent non pas seulement sur les abeilles, mais aussi sur des rongeurs, par exemple. Et notamment, ces rongeurs sont utilisés pour comprendre donc les impacts de la maladie d'Alzheimer. Donc, très bien que les populations ou une population particulièrement à risque pour tout ce qui soit Alzheimer et dégénérescence neuronale, c'est les populations d'agriculteurs. Donc, c'est dommage qu'on puisse pas faire vraiment encore le lien entre traitement de pesticides et les impacts subis par cette population particulière, parce qu'on ne reste qu'au niveau de la corrélation, c'est-à-dire on dit oui, il y a un phénomène là et un phénomène là, et on les met en relation, mais en science, on dit que ce n'est pas une relation causale qui est créée par la mise en relation. Mais néanmoins, particulièrement si vous m'en demandez mon avis, et encore une fois, ça n'engage que moi, je pense qu'effectivement, le fait de ces maladies récurrentes de dégénérescence neuronale dans ces populations est en train de nous dire quelque chose. Ce qui revient voilà, quand même à revenir à une question que vous avez peut-être développée à la fin de votre exposé. Est-ce que les doses de pesticides utilisées actuellement sont donc nocives pour les abeilles à la vue de vos résultats? En petite parenthèse aussi, il y a eu quelques demandes de précision sur le PPB. Oui, c'est par milliard, 10 à la moins 9. Donc, c'est à zéro avec 0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Donc, c'est ça ce que j'avais expliqué lors de la présentation. Donc, ces résultats donc, que j'ai montrés, ça fait partie d'une équipe chinoise
avec laquelle on communiquait régulièrement. Comme je vous disais que je travaillais régulièrement en Chine, hein, donc ce qui a été interrompu par Covid jusqu'à présent. Et cette équipe donc, a adopté les méthodes de comptage microglomérulaire qui sont régulièrement ici utilisées dans l'équipe, ici à Toulouse, pour faire cette étude-là. Si la question est si ces doses-là sont nocives, elles le sont à ce niveau-là, au niveau que je vous ai montré. Évidemment, comme je vous l'ai bien expliqué, en tout cas j'ai essayé bien de remarquer ce point-là, les abeilles ne sont pas mortes de ces doses-là. Justement, toute l'expérience a consisté à les emmener jusqu'à l'âge adulte et à voir que de l'extérieur, elles ne montraient pas de déficit particulier. Donc, effectivement, les déficits sont au niveau du cerveau individuel. Et effectivement, les déficits sont là. Donc, si vous me dites nocives parce qu'elles produisent dégâts cérébraux, je dis oui. Si quelqu'un me dit sont-elles nocives parce qu'elles les tuent, je dis non. Je dois constater qu'elles arrivent à l'âge adulte. Mais le problème, c'est comment elles arrivent à l'âge adulte. Toute question est là. Alors, pour revenir justement à ces effets-là, donc il y a une auditrice qui a formé une question et qui s'est permis de la réexprimer. Donc, je réexprime ma question sur la toxicité pesticide. Compte tenu des doses de traitement dans l'agriculture et dans les espaces verts publics et privés, quelle est la dose d'imidaclopride à laquelle est exposée une abeille butineuse en ville et à la campagne? Ceci est, comme vous pouvez l'imaginer, très variable parce que bon, ça va dépendre de la régularité des traitements des gens qui s'y traitaient. C'est très difficile. Il y a des gens en écologie, c'est pas mon domaine, qui ont essayé d'estimer ces doses-là et ont trouvé des quantités très variables. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans certains travaux que je connais de laboratoires d'écologie, par rapport à ça, c'est qu'ils ont constaté, même après un arrêt de plusieurs années de traitement, donc c'est-à-dire il y a des champs où lesquels on décide d'arrêter les traitements et on décide donc de ne pas traiter pendant 10 ans. Même avec une telle période, c'est particulièrement ces équipes qui se trouvent à Montpellier avaient constaté la présence de doses résiduelles de pesticides toujours dans ces champs-là. Quand vous dites compte tenu des doses de traitement dans l'agriculture, dans les espaces verts, non seulement elles sont variables, mais elles peuvent être sujettes à des variations qui dépendent des traitements, de la personne, etc. Mais le plus important, je pense, c'est que même en absence de traitement, elles vont rester là pendant des années. Comment justement sont exposées les abeilles aux pesticides par voie orale? Donc dans les expériences que je vous ai racontées, il y a deux méthodes d'exposition. Une, c'est la voie orale, c'est-à-dire les larves sont nourries avec la gelée royale où on a la gelée, oui, donc où on a mis donc les doses dont j'ai parlé. Et une autre façon de traiter, c'est la topication, c'est-à-dire que comme là, on peut tout simplement mettre une gouttelette de la substance d'intérêt avec donc un solvant qui permet de faire passer la substance à travers la cuticule et la faire parvenir donc au niveau de l'hémolymphe. Cette méthode de la topication est employée par exemple régulièrement chez des abeilles adultes où la cuticule est beaucoup plus résistante et donc on peut permettre, et ça permet de faire passer les substances à l'intérieur de l'hémolymphe qui est le liquide circulatoire dans le corps d'un insecte et faire donc circuler les substances en particulier. Donc il y a différentes méthodes, hein. Il y a la voie orale, il y a la voie de la topication, donc la gouttelette avec un solvant sur le thorax ou l'abdomen, etc. Il y a différentes méthodes qui sont employées dans la littérature. Ces dégâts cérébraux sont-ils transmissibles d'une génération à l'autre? Pas que l'on sache. Vous avez constaté que on les a vus au niveau des ouvrières et donc les ouvrières ne sont pas des individus reproducteurs. On ne sait pas, on n'a pas fait d'expérience. Et c'est d'ailleurs une très bonne question dans le sens où on pourrait se demander si une reine qui ne sort jamais mais qui néanmoins est nourrie avec des produits de la ruche qui sont contaminés. On pourrait se demander si effectivement elle a aussi des problèmes au niveau de cette connectique cérébrale
ou si elle est beaucoup plus épargnée de par son non-contact avec la nature. C'est une très bonne question, mais encore une fois, ça implique qu'on va devoir sacrifier des rennes pour faire ces expériences, ce qui n'est pas évident, surtout quand les moyens financiers ne sont pas aussi abondants que ce que l'on voudrait. Alors, si les abeilles sont infectées, est-ce qu'elles transportent également tout ces substances nocives à l'intérieur des ruches? Est-ce que les ruches peuvent être polluées durablement par le transfert par les abeilles de substances nocives? Certainement. On sait très bien qu'on peut trouver des traces de pesticides à l'intérieur des ruches parce que les abeilles transportent donc des produits du nectar qui est contaminé et donc le miel pourra même avoir des traces de pesticides, etc. Oui, effectivement, c'est une sorte de boule de neige qui va se répandre un peu partout, effectivement. Alors, petite question, alors, c'est peut-être pas vos travaux, mais est-ce qu'il existe des travaux à ce sujet sur l'effet des champs électromagnétiques, notamment des antennes relais? Il y a eu, si ma mémoire est bonne, deux travaux. Nous n'avons pas participé à ces travaux-là. Il y a eu deux travaux et ces travaux sont contradictoires. Donc, on avait voulu mettre donc des ruches à là et tester donc l'impact dans l'apprentissage des abeilles. Et une de ces études montrait effectivement que l'apprentissage était impacté et l'autre que il n'y avait pas d'impact. Donc, particulièrement, j'avais des réticences avec les deux études, de par les méthodes qui avaient été employées pour tester l'apprentissage. Ce n'étaient pas forcément des gens experts dans les méthodes qui demandent un savoir-faire, justement, de comment on manipule l'abeille, etc., dans ces entraînements. Et donc, aucune des deux me paraissait forcément convaincante. Donc, je pense que c'est une question qui reste toujours, en suspens. Alors, un auditeur souhaite revenir à la diapo 20. Alors, je ne sais pas si c'est la peine de la représenter. Je pense que c'était sur les expériences sur l'habituation à l'odeur. Avez-vous des résultats sur la même expérience, mais en nourrissant directement les émergentes avec des pesticides et non les larves? Qu'en est-il alors? Non, cette expérience n'a pas été faite à ma connaissance. Il faudrait que je rediscute avec les collègues chinois, mais elle n'a pas été faite à ma connaissance. Non, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas les données. Question un peu technique, donc on arrive progressivement sur la fin du webinaire et on va couvrir beaucoup de questions, donc on va encore répondre à quelques questions avant de conclure. Vos travaux semblent indiquer un effet par mort neuronale, mais avez-vous mis en évidence d'autres mécanismes comme une altération de l'expression de neurotransmetteurs spécifiques? Nous avons des neuroscientifiques parmi nous. En clair, les mécanismes de neurotoxicité ont-ils été étudiés? Oui, pas moi, pas par moi, mais il y a plusieurs personnes qui se sont penchées sur cette question-là, notamment sur l'impact des pesticides sur les neurotransmetteurs qui permettent aux neurones de communiquer entre elles. Donc, ces neurones, par exemple, dans le circuit olfactif, utilisent l'acétylcholine comme neurotransmetteur. Et donc, il y a des récepteurs d'acétylcholine dans ces neurones-là. Et par exemple, ce qui a été étudié, c'est comment ces neurones cholinergiques, on les appelle comme ça, c'est des neurones qui utilisent l'acétylcholine pour communiquer entre eux. Donc, comment ces neurones cholinergiques vont changer leur activité nerveuse par rapport à l'impact de pesticides? Oui, ça a été étudié sur des neurones en culture. Il y a plein d'équipes qui ont fait ceci. Il y avait quelqu'un dans cette équipe aussi qui a travaillé là-dessus, qui malheureusement est déjà passé à la retraite, mais il y a à l'INRA d'Avignon des équipes qui travaillent là-dessus. Effectivement, il y a tout un volet de recherche là-dessus. Et je ne vais pas pouvoir résumer tous ces travaux-là, mais effectivement, on montre encore une fois des impacts des pesticides sur le fonctionnement nerveux. Ça ne pourrait pas être autrement, puisque logiquement, ces pesticides sont faits pour cibler le système nerveux. Donc, c'est normal qu'on puisse trouver aussi ces impacts particuliers. Une petite question qui ne faisait pas forcément l'objet du webinaire aujourd'hui, mais importante sur les abeilles. Est-ce que le comportement des abeilles sont étudiés individuellement, mais quelles sont les possibilités de cognition collective et l'esprit de la ruche? Ah, j'adore cette question parce qu'en fait, elle me permet de développer un volet que j'ai pas le temps. J'avais pas eu de développer. Donc, vous savez que bon, les consignes imparties, c'est 30 minutes et voilà. Donc, on peut pas raconter tout ce qu'on fait en 30 minutes.
Donc, justement, c'est une question très bonne parce que une critique que j'ai fait constamment à mes études au cours des années, je m'étais dit constamment, oui, bon, ben, toutes tes études sur l'apprentissage, la mémoire des abeilles, ça passe par les individus. Forcément, parce que en neurosciences, en psychologie, en tout ce que vous voudrez, l'apprentissage est considéré une capacité de l'individu. Donc là, à l'heure actuelle, je ne sais pas combien de gens on avait au webinaire, je pense que peut-être une centaine, mais tous n'ont pas appris de la même façon. Certains auront retenu des informations particulières, d'autres, etc. Chacun va garder une mémoire individuelle des faits partis aujourd'hui. Donc, comment on étudie l'apprentissage et les mémoires? On l'étudie à partir de l'individu, du changement de comportement de l'individu. Et la critique que je me faisais constamment, c'était de dire, ouais, mais quand même, là, tu as un individu social qui vit dans une société. Et dans tes études, tu ne prends pas compte de cette socialité, de cet, entre guillemets, esprit de la ruche. Est-ce qu'il affecte tes capacités d'apprentissage et de mémoire? Comment cette socialité, qui n'est plus tes expériences où tu as ton abeille dans le petit tube ou ton abeille dans le labyrinthe toute seule, comment cette socialité va impacter l'apprentissage et la mémoire? Et la façon que j'ai eu d'aborder ce problème, c'était un gros projet qui existe toujours, hein, donc même si des résultats très importants ont déjà été publiés, c'est de dire, bon, comment j'inclus la socialité dans ce contexte? Eh bien, la façon de l'inclure, c'était par le biais des phéromones sociales. Donc, si vous voulez, la question était de dire comment différentes phéromones que les abeilles utilisent pour véhiculer différents types d'informations vont impacter les capacités d'apprentissage et de mémorisation des abeilles. Et effectivement, les résultats ont été assez spectaculaires parce que dans des travaux qui ont été publiés très, très, très récemment, hein, donc, on a montré que l'exposition aux phéromones change de façon radicale la façon dont les abeilles apprennent et mémorisent. Et c'est intéressant parce que ça change aussi notre vision des phéromones. On a toujours dit que les phéromones sont des agents de la communication, que ça sert à transmettre de messages. Évidemment, on maintient cette vision-là, mais on ajoute par-dessus que les phéromones sont aussi autre chose, sont des agents cognitifs, des agents capables de changer circuit nerveux pour faire les abeilles mieux apprendre ou moins bien dépendant du message de la phéromone et du contexte dans lequel elles se trouvent. Qu'est-ce que je veux dire? Que si elles perçoivent une phéromone appétitive, c'est-à-dire une phéromone liée à la nourriture, comme le géraniol par exemple, et qu'on la soumet ensuite à un apprentissage appétitif, l'apprentissage est amélioré, la mémoire aussi. Mais s'il y a une contradiction entre le message de la phéromone et l'apprentissage, par exemple, on expose l'abeille à une phéromone aversive qui la prépare à se défendre et on lui demande d'apprendre maintenant une association odeur-sucre, ce qui n'a rien à voir avec le message perçu, eh bien l'abeille apprend moins bien, la mémoire est moins bonne. Donc les phéromones modulent l'apprentissage. Le message collectif va préparer les abeilles pour mieux apprendre ou moins bien, dépendant du sens du message perçu. J'espère que je réponds à la question par là, par ces informations nouvelles. Alors, je propose une dernière question qui revient un peu sur les faits sur l'homme, notamment quel pourrait être l'impact de la toxicité du miel consommé qui a été produit par ces abeilles. Donc, une bonne question, est-ce que le miel peut être toxique sur le cerveau On ne le humain? sait pas. On ne sait pas. On ne le sait pas parce que, bon, vous savez, les scientifiques ne peuvent conclure qu'en fonction de preuves et d'expériences. Et je ne connais pas, peut-être c'est mon ignorance aussi, hein, d'expériences faites sur l'humain qui aient testé l'impact de miel toxique. Je vais aller regarder, mais je ne connais pas ces expériences-là parce qu'en plus, on ne va pas s'amuser à créer des miels toxiques et prendre des individus pour tester l'impact de l'éthique primaire donc de certaines expériences ne permet pas de faire certaines choses, et heureusement que c'est comme ça. Donc, je ne peux pas malheureusement répondre à cette question. Donc, je n'aurai que des a priori et des impressions personnelles, mais je n'aurai pas des éléments de preuve à vous fournir pour répondre à votre question. D'accord, bon, mais désolé de poser une dernière question qui est difficile à répondre. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs questions sur l'impact sur le miel. Je vais terminer par une question en guise de conclusion, dont la réponse est certainement évidente, mais je vous laisse la parole, Martin, peut-être pour donner envie aux gens d'aller plus loin.
Merci pour cet exposé. Vos études sont-elles publiées? Alors, excusez-nous pour la faute d'orthographe. C'est pas grave. Est-ce que ça vous donne l'occasion peut-être de nous donner des pistes pour aller plus loin, des articles techniques, scientifiques publiés, on le sait qu'il y en a, ou des choses plus vulgarisées pour ceux qui voudraient s'intéresser au sujet? Oui, tout à fait. Donc, bon, toutes ces études sont publiées dans des revues scientifiques en anglais et je sais très bien que la plupart des auditeurs n'est pas forcément censé de comprendre l'anglais. Vous savez, en science, on doit publier en anglais des journaux spécialisés. Mais comme je considère que c'est très, très important de vulgariser ces informations, je le fais par différents moyens. Déjà, je suis toujours ouvert pour des invitations pour des associations, des syndicats d'apiculteurs, etc., parce qu'il me paraît important de faire connaître ce qu'on fait, parce que bon, les gens payent des impôts, il faut qu'ils savent donc à quoi la recherche publique destine ses impôts, notamment à des choses que je vous ai racontées aujourd'hui. Et aussi, ce que je fais, c'est j'essaye de vulgariser dans des articles de syndicats d'apiculteurs. Par exemple, sans vouloir faire de la publicité, mais juste parce que la question est posée, il y a une revue qui s'appelle Abeilles et fleurs de l'UNAF, Union nationale des apiculteurs français. Et dans des derniers numéros, j'ai fait paraître deux, trois articles qui vulgarisent. Par exemple, je crois que je me souviens bien, il y avait un article sur la cognition des abeilles et puis un autre article sur un sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui, le sens numérique des abeilles, c'est-à-dire leur capacité à compter, leur capacité à résoudre des problèmes numériques, etc. Donc, on peut aller regarder, par exemple, dans cette revue-là. Vous trouverez deux, trois articles et je compte encore une fois continuer à publier dans cette revue parce que j'aime bien les apiculteurs. C'est une façon aussi de vulgariser, de les soutenir dans leur activité de publication, dans leur activité éditoriale. Très bien, mais merci encore Martin Jurfa pour cette présentation, les différentes réponses aux questions. Donc, nous avons plusieurs messages de remerciements de la part des gens qui nous ont écoutés, qui montrent un certain enthousiasme sur le sujet et sur cette présentation en particulier. Donc, pour répondre aux questions qui ont été posées aussi, le webinaire a été enregistré et vous aurez accès au replay sur cette plateforme ClickMeeting dans un premier temps. Et dans un second temps, sur la chaîne YouTube de CNRS Formation Entreprise, qui présente déjà les différents webinaires qui ont été organisés ces derniers mois. Donc, vous avez été plusieurs centaines à nous écouter. Merci encore à Martin. Vous pouvez aller plus loin en consultant le site web de la formation qui est proposée par CNRS Formation Entreprise sur le sujet. Je me permets de vous mettre le lien directement dans le chat si vous souhaitez la consulter. Alors, j'invite ma collègue à le faire parce que je n'arrive pas trop à le faire en même temps. Mais voilà, vous pouvez tout à fait revenir vers nous pour toute question concernant cette formation ou sur les webinaires. Donc, les prochaines dates de conférences organisées par CNRS Formation Entreprise ne sont pas encore programmées. Il y aura d'autres webinaires prévus cet hiver, au moins deux d'ici le mois de mars, qui sont en cours de préparation. Donc, si vous êtes inscrit, vous recevrez les nouvelles. Pour ce qui concerne d'autres dates voilà, de conférences sur le sujet, je laisse peut-être Martin nous dire s'il y a quelques mots qui pourrait intéresser nos auditeurs. Et en guise de conclusion, donc je laisse le dernier mot sur ce webinaire à Martin Jurfa et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bon, ben, tout d'abord, remercier encore Raphaël et toute l'équipe de CNRS Formation Entreprise qui m'ont permis non seulement de vous parler aujourd'hui, mais surtout aussi en pensant en perspective de se lancer dans cette aventure que va être cette formation qu'on va faire au mois de mai et qu'on peut-être répétera au mois de septembre, on verra, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait avant et ça va être une première pour nous d'accueillir des gens dans notre rucher, de les entraîner, de faire des formations. Et je pense que c'est un défi passionnant. Et c'est une façon aussi de faire connaître ce qu'on fait. Je dirais tout simplement que le but est toujours le même, que ce soit par cette conférence ou par la formation,
c'est de donner des éléments de connaissance aux citoyens pour faire face à certains débats. Donc, dans les débats, c'est toujours celui qui maîtrise l'information qui a les meilleures cartes pour gagner le débat. Et donc, quand on va dans un débat mal informé, eh bien, on le perd. Ici, le but du jeu, c'est de fournir des informations. Chacun fera de ces informations ce qu'il voudra, mais elles sont là. Et elles peuvent vous permettre d'avoir des débats, beaucoup plus de connaissances et de prendre vos propres positions par rapport à ce qui se passe autour de nous. Je ne préconise pas que vous adoptiez les mêmes positions que j'ai moi, mais vous avez des éléments pour adopter les vôtres à partir de maintenant. Et surtout, pour en parler autour de vous. Parce que c'est avec cette diffusion aussi qu'on commence à gagner des discussions qui sont sinon difficiles. Et donc, je suis très, très reconnaissant pour tous les messages de remerciement que je vois. Et c'est vrai que c'est très stimulant pour nous, pour moi particulièrement, de les voir parce que ça me pousse à aller encore plus loin. Donc, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Merci Martin. Bonne journée à tous et à bientôt.